Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. Alors je pense qu'on peut applaudir très fort ces charmantes violonistes qui nous ont mené un très très beau petit escale. Donc, je suis très content d'être ici pour présenter le film Corrie le Seigneur, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire ça tout seul, ce serait un petit peu plate. Et je vais être accompagné de nulle autre qu'une actrice qui a joué plusieurs rôles dans le film, qui a fait du théâtre, qui a été animatrice à la radio pour publicité, et surtout qui fait partie du botinhaïtien.com. Donc, vous allez applaudir très chaleureusement Marie-Linda François. Marie-Linda, juste avant que tu commences, je me rends compte que j'ai oublié la chose la plus importante que m'a dite Jean-Marie, c'est que vous n'avez pas le droit de prendre des photos ni de filmer pendant la présentation du film. C'est ce qu'on m'a dit, donc il faut que je le dise. Et comme c'est une présentation de film, merci aussi de bien vouloir éteindre vos cellulaires. Maintenant, si tu as envie de parler, n'hésite pas. Oui, Stéphane, déjà? Oui, oui, tu peux vraiment, sinon je peux continuer de dire des bêtises, il n'y a pas de problème. Ah non, pas des bêtises en tout cas. Alors, je salue tout le public, je salue tout le monde qui sont là aujourd'hui pour nous encourager dans la première, la grande sortie du film Corrie le Seigneur. Alors, c'est mon co-animateur Stéphane. On va s'amuser pendant cette soirée-là. On a plein de gens extraordinaires qu'on va vous présenter. On a des acteurs, actrices formidables qu'on va vous présenter. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite, peut-être? Oui, pourquoi pas? Mais pour que soyons fous. Donc, on va commencer tout de suite par le personnage principal du film. Donc, dans Corrie le Seigneur, je me suis longtemps demandé qui jouait le rôle du Seigneur. En fait, c'est nul autre que Corrie. Et donc, on va tout de suite recevoir Shelby Jean-Baptiste. Donc, moi, Shelby, je la connais pas mal parce qu'elle prend des cours à l'école que j'irige qui s'appelle Les Yeux Tapis Rouges. Et tu as joué dans beaucoup de films et de pièces, et notamment des films avec Charles Lafortune, Rachida Dori, Sylvie Moreau. Donc, cette fois-ci, puis aussi Shelby, tu as parfois un tout petit défaut qui est le fait d'être un tout petit peu en retard. Donc, je me suis dit, c'est merveilleux qu'il y ait un avatar qui va te permettre d'être toujours à l'heure maintenant. Donc, on peut l'applaudir, Shelby Jean-Baptiste. Merci beaucoup Stéphane. Mais ça fait très plaisir Shelby. Ok, donc déterminée, combative, fonceuse, Corrie Jean-François était une femme merveilleuse. Toutes ses qualités marquent encore la vie de notre réalisateur Jean-Marie Lamour, à qui je dois l'honneur de m'avoir donné ce merveilleux rôle. Puis Corrie, c'était une femme extraordinaire et je te remercie de m'avoir donné ce rôle-là Jean-Marie, c'est vraiment gentil. On l'applaudit, mesdames et messieurs, plus fort. Alors, sans plus tarder, on va recevoir un autre acteur qui fait partie de la distribution. Exactement. Est-ce que tu as envie de dire son nom? Je te sens trépide. Non, tu as très envie de dire son nom. Dis-le, Steve. Je le dis, d'accord. Donc, on va recevoir Sam Abraham, qui a la particularité d'avoir des... comment est-ce que je dirais ça? Des goûts très variés, puisqu'il fait à la fois partie d'un groupe de rap, et en même temps, il rêve de devenir médecin. Donc, c'est très logique, il est comédien. Merci quand même Stéphane. Ça fait plaisir. Merci. Dans ce temps au pays de Corrie, on avait appris la patience, le respect, la dignité des valeurs, qui de nos jours sont devenues des dernières erreurs. Quel sera chacun le rôle de celui qui a causé la catastrophe dans la vie de cette jeune femme? Mais cette histoire est l'exemple vivant de ce fléau qui ronge la vie de nos frères d'aujourd'hui. Je remercie Jean-Marie Lamour de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce projet. Merci. Des acteurs formidables et très reconnaissants, ça qui est beau aussi. Exactement. On a aussi quelqu'un qui nous vient de Boston, donc c'est vraiment un film international qu'on va pouvoir voir cet après-midi, qui est James Dorville. Il faut le prononcer bien, hein? Oui, surtout pas James, comme certaines personnes disaient de manière maladroite, mais c'est bien James Dorville. Donc James est quelqu'un avec un parcours absolument prodigieux, puisqu'il a fait des études en ethnologie, et en psychologie, et il a participé à plusieurs films, donc il a joué dans L'Assassin de Josué Morvan, de Patrick Barthélémy. Et oui, on peut l'applaudir, je pense que c'est ça. Et il a déjà fait donc deux films de Jean-Marie Lamour, à savoir Conspiration et aussi le film Surface. Donc tout de suite, James Dorville.
Oui, merci, Gaz. Gaines, dans la vraie vie, était un garçon dans le presbytère. J'aimerais qu'il voulait respecter les traditions qu'elle a, car il voulait garder la grande valeur de cette histoire. C'est ainsi que j'avais fait le trajet de Montréal, de Boston à Montréal, afin que je puisse participer à ce grand projet. Et puis, je remercie spécialement Jean-Marie Lamour. Et je dois vous l'avouer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne regrette pas. Merci. Déjà terminé là. Non, j'ai plein de choses à faire ensuite, mais là pour l'instant je prends une petite pause, je suis un petit peu paresseux. Ok, d'accord. T'as d'autres gens à présenter? Exactement, dans la même lignée des gens qui sortent des États-Unis, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter Shirley Boiron. C'est elle qui va monter le podium, traverser le podium et se présenter elle-même. Applaudissez, mesdames et messieurs, Shirley Boiron. Excuse-moi, timide. J'ai appris d'être toujours excitée et savait bien défendre ses intérêts. Marquer les jolies scènes de ce film, les couleurs des fleurs, la splendeur idyllique de ce beau paysage qui fait rêver tout le monde. Toutes mes félicitations au réalisateur Jean-Marie Lamour. Merci Charlie. Je débarque des États-Unis. J'aime ça me rendre à Montréal. Il y a quelqu'un qui est très connu à Montréal, donc quelqu'un le connaît. Tout le monde le connaît. Si quelqu'un est à Montréal et on dit que qu'on n'est pas cette personne-là, c'est que cette personne-là ne vit pas à Montréal. Mesdames et messieurs, accueillez grandement, chaleureusement, Myriam Jean. Bonsoir à tous. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir en si grand nombre pour venir encourager le film de Jean-Marie Lamour. Riche, ravissant, prétentieuse, Scarlett est une jeune héritière, fille à papa, qui malgré elle, l'absence de son père, a su garder son authenticité, l'intégrité que son père lui avait inculquée. Merci beaucoup Jean-Marie de m'avoir donné l'opportunité de jouer dans ton film. Merci. Et tout le monde la connaît, c'est au convoi Myriam, ça nous parle de quel film? De quoi? Bravo! Encore! Il n'y a pas seulement Marco Clé là dans son aval. C'est toi encore? Est-ce que tu es obligé de les engueuler? Oui, il faut! D'accord. Parce que Myriam est là, il faut les engueuler. C'est quoi encore? Sinon, si je ne passe pas de micro à personne d'autre. D'accord. Après ça, Myriam a joué dans quel autre film? Mon Dieu, l'innocent. Oh, 101, mon merci. Voyez-vous? Et tu vois, c'est ça, hein, Motion Picture Association of you. Mon Dieu. Alors, sans plus tarder, Stéphane, je pense que les gens ont envie. Alors, on va continuer à l'honorer à travers ses acteurs et actrices. Sans plus tarder, nous avons avec nous Graham Mead. Alors, je lui demande, c'est comme une solo d'artiste, c'est Laura Love. Alors, il est toujours en amour, lui. Alors, c'est un fameux musicien, chanteur, début à Montréal, avec le Magic Connection, le groupe Dixie Band. Alors, il y a eu un grand parcours. Mais je ne sais pas s'il va chanter pour nous aujourd'hui, nous faire jouer quelque chose d'autre, mais il va parler un petit peu. Tout est possible, tout est possible. Bien, bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Ça fait plaisir de vous voir ici, présent ce soir, hein, à l'honneur de M. Jean-Marie Lamour. Alors, il faut que je te dise que c'est un grand privilège, d'ailleurs, pour moi, d'avoir pris ce somptueux projet que je qualifierais même de très audacieux. Hein, on n'est pas sans savoir que ça prend énormément d'efforts pour y arriver et pour concrétiser ce beau rêve. Alors, moi, ce que j'ai dit, alors, bravo la volonté de ce monsieur et la détermination. Moi, je dis bravo encore à Jean-Marie Lamour, l'acteur, le réalisateur, ton seigneur, tout honneur. Merci. Il ne chante pas, hein? Il ne chante pas, d'accord. Ah, okay. Il ne chante pas pour l'instant. D'accord, mais on va chanter plus tard. Parfait. On a hâte. Merci beaucoup, Graham. Bien, merci. Est-ce qu'on applaudit, Graham? Nous, on veut un public chaleureux, débordant d'énergie, parce que... Pas vrai, Myriam? Nous sommes débordants d'énergie. Alors, bon, mesdames et messieurs, à Boston, il se passe des affaires extraordinaires.